Je suis en train de re-regarder ma vidéo sur liberté individuelle versus liberté collective, point d'interrogation, dans laquelle j'explique que pour moi les deux ne s'opposent pas mais se complètent. Et dedans, j'explique que la vie en communauté oblige à l'encadrement des libertés, alors que quand on est virtuellement tout seul, on a besoin d'aucune limite, on peut faire absolument ce qu'on veut. Évidemment, c'est virtuel, hein, parce qu'on n'est jamais véritablement tout seul. Mais en réalité, je me rends compte, là, en re-regardant ma vidéo, que le fait de vivre en société et donc la nécessité de cadrer les libertés amène en réalité plus de liberté que si on est seul. Parce que quand on est seul, notre liberté est limitée à ce que l'on peut faire, d'accord, soi-même, tout seul. Alors que quand on est en groupe, on peut faire beaucoup plus. Un individu n'a pas forcément la connaissance, toutes les connaissances du monde, que ce soit la connaissance médicale, les connaissances techniques, les connaissances générales, etc. On a chacun nos spécialités, nos talents, nos capacités, etc. Mais individuellement, elles sont limitées. Alors qu'en groupe, on met en commun ses talents, ses connaissances, ses capacités, etc. Et le fait de les mettre en commun, ça les démultiplie et donc ça permet de créer. Notamment la technologie, d'accord? Pour créer une télévision, il a fallu tout un tas de gens qui ont réfléchi aux différents mécanismes qu'il y a dans une télévision, un téléphone, une photocopieuse, un ordinateur, un écouteur, etc., etc. Donc, toutes ces technologies, mais il n'y a pas seulement que la technologie, hein, là je prends un exemple qui est parlant pour tous, mais tout ce que l'humanité a accumulé jusque-là, c'est parce qu'on vit en société et qu'on met en commun cette intelligence collective que l'on a, d'accord? Et donc en réalité, quand on vit en société et que on est obligé de poser un cadre, d'accord, aux libertés virtuelles de l'individu hors société, tout ça c'est virtuel, hein, c'est théorique, eh bien en réalité ce cadre de limitation entre guillemets de la liberté individuelle est un cadre qui permet aussi. C'est un peu comme un état quantique, c'est oui et non à la fois. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la physique quantique, mais c'est 1 et 0 à la fois. Enfin voilà, c'est un état superposé, d'accord, qui fait que dans une certaine mesure, on limite la liberté, mais c'est pour au contraire augmenter plus la liberté. Parce que, je le répète encore une fois, quand on vit en société, eh bien, on décuple, les possibilités qu'un individu peut faire. Grâce à l'intelligence collective, eh bien, j'ai un ordinateur et je peux surfer un contenu qui vient du monde entier. J'ai une voiture qui me permet de me déplacer. Je peux regarder la télévision, les informations à travers le monde, etc. Je peux m'enregistrer sur un téléphone et diffuser mes vidéos à travers le monde, etc. Donc tout ça vient du collectif, de l'intelligence collective. Donc on voit bien ici que l'intelligence collective, que le fait de vivre en collectivité, même si ça implique un certain cadrage et, si on veut, une certaine limitation individuelle, en réalité, en même temps, ça démultiplie ses libertés. On a beaucoup plus de liberté en vivant en société, en vivant dans le cadre collectif qui nécessite des règles, qu'en étant dans un état de nature théorique, tout seul, à se débrouiller avec ses propres moyens. Voilà ce que je voulais dire. Comme d'habitude, faites-moi vos commentaires si vous trouvez que ce que je dis est cohérent, si vous trouvez que c'est incohérent. Exprimez-vous dans le respect. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France et vive l'intelligence collective.